Protégée dans une baie de la mer des Caraïbes, Carthagène possède les fortifications les plus efficaces d'Amérique du Sud. Cette enceinte abrite un système de partage en trois quartiers distincts, San Pedro, sa cathédrale et ses palais, San Diego qui abrite la petite bourgeoisie et les marchands, et enfin Gethsemane, le quartier populaire. L'ensemble s'étend sur 192 hectares. Ces femmes aux chapeaux garnis et robes colorées sont les palenqueras, véritable symbole de Carthagène où elles représentent le courage pour avoir tenu tête aux conquistadors et obtenu en 1691 la première ville libre des Amériques, Palenque. Cet édifice, au nom actuel de Teatro Adolfo Mejía, est un des très hauts lieux de la culture colombienne, tant par son histoire tourmentée depuis son inauguration en 1911 que par les spectacles internationaux qui s'y sont succédés au XXe siècle et de nos jours également. Cet ancien couvent, construit en 1608, était destiné à apporter aide et salut aux pauvres de la ville. Après diverses réhabilitations, il héberge aujourd'hui l'Université des Beaux-Arts, très réputée en Colombie. Le quartier est devenu le centre d'expression des jeunes qui s'y retrouvent dans une ambiance détendue. Nous sommes arrivés dans le centre historique de la vieille ville. Une des bâtisses intéressantes de cette rue est l'université publique installée dans un ancien couvent franciscain. Elle est un lieu où se côtoient le sérieux de l'étude et la détente dans un patio ombragé. La suite de rues et ruelles que nous empruntons, plus colorées les unes que les autres, nous amène dans la partie la plus remuante de la vieille ville. Ici, l'animation touristique fait partie du quotidien. Mais c'est ici aussi que l'on peut profiter d'un spectacle de rue de danse acrobatique. Jugez-en plutôt. La nuit est maintenant totale et après ces rythmes endiablés, nous allons profiter de la douceur de la température pour une dernière balade nocturne apaisante. Cela clôturera les quelques jours passés dans cette ville aux multiples facettes.